Salut YouTube! C'est le début des annonces Pokémon! C'est le début des annonces Pokémon, les amis. Dans 10 secondes, ça va commencer. Ça commence maintenant. Je monte un petit peu le son. Let's go! 5, 4. Oula, ça lagouille un petit peu! Que se passe-t-il? 3, 2, 1. On y va! Let's go! The Pokémon Company. 25 ans d'aventure non-stop. Ça lagouille par contre. Salagouille. Merci Silent Thread. Allez, on y croit. Je vais juste... Ok, on y est. Là, c'est bon. Ça a chargé. L'animé. Les films. La Nintendo 64. Hello Pikachu. Rumble Pack. C'est trop cool, ils reviennent sur l'intégralité de la licence Pokémon. Oh là là, tellement de nostalgie. Ça, c'est des jeux que j'ai pas eu, les petits trucs comme ça dans le Pokémon Mini. Ah, c'était nul ça. Pokémon Dash, c'était tellement nul à l'époque. Putain, mais j'ai pas eu ça. 2006. Diamond and Pearl. Ah, ça lagouille. C'est bon. Ranger. Hard Gold. QR Coin. Trio Battle. Ah là là, ça... YouTube a du mal, hein. Il doit y avoir énormément de monde sur la vidéo. Black 2. White 2. Ah, ça c'est cool. TCGO. Ah, Pokémon à la conquête du clavier, on y avait joué, on avait fait un let's play. Oh, j'avais oublié ça. 2013, les meilleurs jeux, Pokémon X et Y, clairement. Pokémon Art Academy, on l'avait fait également. Pokémon Tournament. Shuffle. Oh oh. Pokémon Go. Gotcha.
Wow. Eh, hey, Pokémon Soleil et Lune, c'était vraiment top. Hein. Je veux dire, en termes de musique, c'était vraiment top. Les trailers et tout étaient vraiment cool. 2019, épée bouclier. Et maintenant, on veut savoir ce qu'il y a, Pokémon. Et aujourd'hui, en 2021, collection, book, goods, store. Des possibilités dans vos mains. 25 ans de Pokémon. On retient le souffle. Hello everyone. I'm Ishihara from the Pokémon Company. Bonjour Ishihara. February 27th is the date Pokémon Red and Pokémon Green were released in Japan. Oui. Marking the beginning of the Pokémon series. Oui. An astounding 25 years have passed since the Pokémon series was born. Oui, on sait, on a compté. We've shared so much with you over the past 25 years, through our games, but also through so many other mediums, thanks to the support you've all shown us. Thank you, each and every one of you. Mais merci à vous pour ces moments Today, incroyables. Mr. Utsunomiya will introduce Mr. Utsunomiya va annoncer quelques nouvelles. Vas-y. Hello there. Bonjour, directeur des opérations de Pokémon Company. New Pokémon Snap, qui sort en avril. Merci. Ok, du gameplay de New Pokémon Snap. C'est parti, on découvre ça. Bienvenue dans le monde de New Pokémon Snap. Voici la région de Lantis. À bord du Neo One, explorez la jungle, parcourez le désert et sondez les fonds marins pour étudier les Pokémon dans leur habitat naturel. Tain. Vous serez épaulé par le professeur Miroir. Vous serez entre de bonnes mains. Mais bien sûr, hey, il va être cool, hein. Il va être beau. Hein. J'adore la DA. Hein. La DA est magnifique. Ils ont trop memes. Wow. And there's Vaporeon. Let's try throwing it a bug fruit. Il mange la pomme! Yes! Putain, ça va être génial comme jeu. Oh, il... Wow! Belle animation. Hoot hoot! That sure made Hoot Hoot happy. Vous posséderez des ormes Lumina inventées par le Pokémon, par le professeur. Ok, on peut faire briller les Pokémon. Ok. Hey, tombe pas dans l'eau comme ça, Florizard. Wow. Il a pris une photo pendant qu'il sautait. We captured a rare moment there. Catch a variety of different behaviors on camera to fill up your Pokemon photo decks. And there's more. You'll be able to edit the photos you've taken. Oh, ça c'est grave cool. Use features like stickers and frames to make your favorite photos even bon, more special. Bon, ça c'est un peu. And I'm sure you'll want to show off your best photos, yes. Right? Yes. Et on pourra les uploader sur TikTok ou pas? Feeling well. When you want to do that, it's time to go online.
you can share your favorite photos and check out photos from around the world. And if your photo becomes popular, it might even be featured and get more attention. Seeing something like that may inspire you to go back and take even more photos. Okay, cool, il y a une galerie et tout. To the start of your adventure. Unexplored islands and plenty of Pokemon await in the Lentil region. So make sure you're prepared. Ça va être grave cool. Vraiment, ça va faire un bon jeu pour patienter. Oh, c'est les billes. Waouh! Vite, prends-le en photo! Prends-le en photo! Qu'en pensez-vous? J'espère que vous attendez avec impatience la sortie du jeu, le 30 avril prochain. Parlons maintenant des divers événements prévus pour célébrer la journée Pokémon. Des Pokémon Gigamax à l'honneur dans Pokémon Épée et Bouclier. Une campagne vous permettant de recevoir 2500 glands dorées en vous connectant au jeu. Ok, bon bah si vous jouez à Pokémon Café Mix, vous le savez. Dans Pokémon Go, Articuno, Elector, Sulfura et Mewtwo apparaissent dans les raids légendaires. Ok. Bon, ça on le savait déjà. Tarak, le maître de Galar, et son partenaire Dracaufeu débarquent enfin dans Pokémon Masters X. Nous espérons, ok. Ah! Have a look at this video. Mille neuf cent 2007. Diamant et perle. Oui. Oui. Cette musique. Laissez-vous éblouir à nouveau. Oui. Alors attendez, j'ai du mal avec le style graphique là. On se croirait dans... On se croirait dans un Zelda. Ouh là là, c'est pas très très beau hein. Pokémon Diamant étincelant et Pokémon Perle scintillante. Sorti fin 2021, Pokémon Diamant étincelant et Pokémon Perle scintillante. Aïe aïe aïe. C'était pas très 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 beau hein. Mais un autre récit vous attend. Ah, attention. À l'aube d'une nouvelle ère de la série Pokémon. Cette histoire remonte à une époque lointaine, alors que la région de Sinnoh n'était qu'une vaste étendue sauvage. Le village était animé par les allées et venues des habitants. Et les Pokémon sillonnaient à leur guise les montagnes et les mers. C'est un Breath of the Wild Pokémon. C'est littéralement ça. Oh my god. Oh, j'adore ce côté un petit peu ancien, ce côté un peu rural et tout. Oh my god!
c'est en open world. C'est full en open world. Bon, par contre, au niveau FPS, c'est pas ultra ça, mais bon, ils ont le temps de peaufiner. Attends, c'est pas la même génération, ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas les bons starters! C'est pas les bons starters, les gars! Les gars, vous êtes trompés! C'est-à-dire qu'il y aura tous les starters. Attends. C'est Arceus. C'est Arceus. Légende Pokémon Arceus. C'est le nom du jeu Légende Pokémon Arceus, sorti mondial en 2022. Donc dans deux ans. Both taking place in the Sinnoh region. Les deux se déroulent dans Sinnoh. I'd like to present the Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon Shining Pearl games. OK. These are faithful remakes of the Pokémon. Ce sont des remakes fidèles des jeux Pokémon Diamant et Perle sortis sur la console Nintendo DS au Japon il y a 15 ans. OK. Donc fidèles. Donc c'est-à-dire que ça va être exactement la même chose. À début 2022, j'avais pas vu. Oh, début 2022, c'est cool ça. Remakes of the Pokémon Diamond version and Pokémon Pearl version games which were released for the Nintendo DS system are coming to Nintendo Switch. These games will be developed by Ilka Inc. Ah, c'est développé par Ilka. The project is being directed by Yuichi. Donc c'est pas du tout Game Freak hein, qui développe. As well as Game Freak's Junichi Masuda. Ah, si, il y a quand même Junichi Masuda qui est directeur. OK. Diamond version and Pokémon Pearl version games. OK. Your adventure will take place in the Sinnoh region. Rich in nature and with towering Mount Coronet at its heart, it is a land of many myths passed down through the ages. The sense of on dirait des Lego Duplo. On dirait des personnages de Lego Duplo en fait. And you'll be able to travel through familiar locations once again. You'll set out on your journey after choosing either Turtipus, Wistikram, ou Tiplouf. On connaît partner Pokémon. In these games, you can enjoy a grand adventure together with all the Pokémon from Pokémon Diamond version and Pokémon Pearl version. Newcomers and previous visitors to the Sinnoh region alike can look forward to experiencing the original Pokémon Diamond and j'arrive Pokemon pas à me faire d'avis. Autant sur Pokémon Let's Go, c'était cohérent, tu vois, je trouve. Mais là, j'ai du mal avec le style graphique quand même. Hein. Peut-être que ça passera à force de revoir, mais... Pokémon Brilliant Diamond and Pokémon ouais, on dirait Zelda Link Between Worlds ou Link's Awakening. Ouais. Sortie mondiale fin 2021. Ok. Les logos sont pas ultra beaux non plus. Ok. Légende Pokémon Arceus marque un véritable tournant dans la série des jeux vidéo Pokémon. Le développement bat son plein chez Game Freak afin de vous offrir une expérience de jeu pionnière dans l'histoire des jeux vidéo Pokémon. Je vous laisse découvrir cette vidéo. Ok. Vas-y. Montre-nous. Légende Pokémon Arceus. L'intrigue du jeu se déroule dans la région de Sinnoh d'antan, où le Mont Couronné dominait déjà la région à l'époque. Les Pokémon vivent en liberté dans les environnements hostiles de la région, qui vous paraîtra différente de celle que vous connaissez. À cette époque, de nombreuses personnes se sont installées à Sinnoh et y ont fondé un village prospère dans le but de découvrir la région. Quant à ces trois Pokémon, Brindibou, Erisandre et Moustillon, ils semblent être arrivés ici aux côtés d'un professeur qui les a croisés lors de ses recherches autour du monde. Ok. Vous partirez à l'aventure après avoir reçu votre premier Pokémon auprès du professeur. Ok. Trop bizarre comme trio de... Le village vous servira de base et vous partirez explorer les quatre coins de la région afin de créer le tout premier Pokédex de Sinnoh. Même à cette époque, les Pokémon sauvages peuvent être attrapés avec des Pokéballs. Vous pouvez aussi partir au combat avec vos Pokémon, vos alliés Pokémon. Ok. Améliorez vos techniques de capture et de combat afin de remplir votre Pokédex.
Now for the mythical Pokémon that graces the game's. Parlons du Pokémon fabuleux dont le nom apparaît dans le titre du jeu Arceus. Selon une légende, Arceus serait à l'origine de la création du monde. Quel rôle jouera donc ce Pokémon dans votre aventure? The answer to this question and more awaits you in this exciting new action RPG adventure for the Nintendo Switch system. J'ai pas kiffé quand ils ont montré l'interface de combat. Je trouvais ça pas très beau, mais bon. Légende de Pokémon Arceus sortira simultanément partout dans le monde en début d'année prochaine. Nous espérons que ces deux aventures distinctes à travers la région de Sinnoh vous raviront. De par le côté nostalgique de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle, ou par la nouvelle direction proposée par Légende Pokémon Arceus. J'aime pas le nom. Alors que Pokémon fête ses 25 ans, nous continuerons de nous efforcer de vous proposer à tous de nouvelles façons de vous divertir auprès des Pokémon. Merci d'avoir regardé cette diffusion. Ils n'ont pas parlé de Pokémon Unite. Ah, je suis déçu. Ok. Ok. Bilan. Le Pokémon Diamant et Perle. Le Pokémon Diamant et Perle, il est chelou, hein. Il est chelou, hein, le Pokémon Diamant et Perle, hein. Genre vraiment, hein. Genre. Aïe, aïe, aïe. Ben, le nombre de mois d'abonnement pour ta chaîne. 14e mois, yes. Par contre, 7 x 7, ça fait pas 14. C'est lourd. En fait, le design un peu chibi là sur la map, pourquoi pas, mais ça contraste de ouf avec le design des combats. Ah, je sais pas quoi en penser, hein. Je sais pas quoi en penser, hein. Alors que Pokémon Légende Arceus, ça ouais. Là ouais, il y a un vrai bail. Il y a un vrai bail incroyable, il y a un truc. Là, on peut pas leur reprocher de pas... Et puis même la musique fait un peu Zelda Breath of the Wild. Les trailers de Zelda Breath of the Wild, ça fait un peu ça. Hein. Au niveau des sonorités. Par contre, le trio de starters là, c'est quoi ce délire, les gars? Comment ils en sont venus à choisir Hérissante, Brindibou et Moustillon? Je sais pas. Je prends Brindibou. Bah, je sais pas moi ce que je vais prendre. Là, je suis déjà en train d'hésiter. Parce que Hérissante, alors ouais, il est classe. Mais j'étais pas prêt à reprendre aussi vite un Hérissante dans une de mes parties, tu vois. Donc, je sais pas. Et Brindibou... Moustillon, c'est non. Quoi qu'il arrive, Moustillon, c'est non, mais... Mais ça va se jouer entre Brindibou et Hérissante pour moi. Waouh. Qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat? Est-ce que vous êtes hypé pour Diamant et Perle ou est-ce que vous êtes hypé pour Arceus ou pour les deux? Moi, je me dis que ça veut dire qu'on va avoir deux jeux Pokémon à quoi? 6 mois d'écart peut-être? Moins de 6 mois d'écart? C'est-à-dire qu'on va avoir probablement Pokémon Diamant, Étincelant et Perle. Non, Diamant... qui brille, Diamant de lumière et Perle des diamants en fin d'année, donc en novembre. Et donc, on va avoir le Arceus début 2022. Moi, je vous fais un guess. Aujourd'hui, il sera reporté. Voilà. Je vous le dis. Hein. Il sortira pas début 2022. Il ne sortira pas début 2022. Ils vont nous annoncer un report du jeu et il sortira fin 2022. C'est sûr. C'est sûr. Moi, j'y crois à 100% à un report du jeu et ce sera bien. Hein, quand ils annonceront le report, on se dira le report, on se dira OK, il faut qu'ils prennent le temps de travailler sur le jeu et de le peaufiner. Mais pour moi, il y aura un report.
Je pense qu'il sera pas rapporté. On verra. Mais pour moi, ça va être dur. Je sais pas à quel stade ils en sont dans le développement. Ça se trouve, le jeu est déjà quasiment fini. Dans ce cas-là, tout va bien. Mais on verra. Et je t'annonce qu'il sortira. Et en plus, joli, avec peut-être la Switch Pro. C'est possible. Bref. Eh ben écoutez, c'était quand même des belles annonces. Ils ont parlé de Pokémon Snap, ils ont parlé de Pokémon Diamant et Perle, et ils ont parlé de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, et ils ont parlé de Pokémon Légende Pokémon Arceus. Ce nom, Légende Pokémon Arceus. T'as joué à Légende Pokémon Arceus ? J'ai du mal, hein. J'ai du mal avec le nom, mais on verra. LPA, Légende Pokémon Arceus. Oui, mais en anglais, il s'appelle comment ? Il s'appelle Pokémon Legends Arceus, donc PLA. Il doit s'appeler PLA en anglais, je pense. Ça doit être Pokémon Legends. Pokémon Legends, ça va bien. Le nom Pokémon Legends, c'est génial. Légende Pokémon, c'est claqué. Tu joues à Pokémon Legends ? Ouais, de ouf et tout machin. Tu joues à Légende Pokémon ? Ah, c'est dommage. Pokémon Legends. Mais Juju, si t'as bien compris, ce sera pas le seul. Oui, bien sûr. Mais Légende Pokémon, je trouve ça bizarre. Merci Yonis pour le sub, en tout cas. Pour le sub, c'est le premier mois. Merci à toi. Merci beaucoup Yonis. Bon, je vais couper là pour la rediff YouTube. Écoutez, j'espère que vous avez kiffé. Les amis de YouTube, on se retrouve demain à 14h pour la sortie du remaster de Pokéball dans ta face, qui était ma toute première parodie Pokémon. Ça sort demain à 14h. C'est marqué tout en haut à droite de cette vidéo. Nous, on continue le débat sur Twitch. Si vous voulez passer là dans l'après-midi, n'hésitez pas. On continue le débat et on continue le jeu, bien entendu, parce qu'on va jouer également.